Bonjour à toutes et à tous, Raphaël Oliveira, Société Rexel. Bienvenue dans ce nouveau webinar. Donc bonjour à tous, je vois qu'il y a des bonjours qui arrivent dans la partie du chat. On va pouvoir regarder un peu cette partie du chat. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, on va regarder principalement comment choisir une borne véhicule électrique, comment les installer. On va parler de comment surtout les entretenir et surtout gérer leur consommation. Et pour faire tout ça, je serai accompagné aujourd'hui de deux personnes. La première personne, c'est Clément Delaroche du groupe ABB. Clément, bonjour à toi, bienvenue. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bien sûr, donc je suis Clément Delaroche, je travaille chez ABB et je suis ingénieur des ventes sur la partie IRVE, donc tant sur nos gammes en courant alternatif que nos gammes en courant continu. Ok, très clair, merci Clément. Et on sera rejoint tout à l'heure par Monsieur Thibault Maheu, qui est responsable au niveau de la direction des services, et on reviendra un peu sur la partie optimiser l'exploitation. Donc, juste en rappel, aujourd'hui, on se retrouve pour plusieurs raisons. Déjà, nous savons tous qu'aujourd'hui, les constructeurs automobiles ont plus de 200 modèles dans leur carton, donc qui vont demain être nos véhicules qui vont remplacer à terme le moteur thermique qui va disparaître. On le sait, hein, de toute façon, d'ici 2035, en termes de fabrication, alors peut-être qu'il disparaîtra pas aussi vite, il y en aura sûrement toujours quelques-uns pour pouvoir rouler en partie essence, mais le véhicule électrique va devenir le modèle de mobilité de demain. Aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de regarder un peu ces standards de véhicules et de se faire quel type de borne est le plus adapté par rapport aux usages que l'on veut en faire. On va voir avec, et Clément va vous présenter sur la partie offre ABB, en termes de matériel, quel produit répond à quel usage? Ça, c'est très important. Et avec Thibault Maheu, ce qu'on va faire sur la partie fin, c'est surtout comment optimiser son exploitation. Parce que mettre des bornes, bien entendu, ça va permettre de donner l'accessibilité à la charge du véhicule, mais faut-il pouvoir gérer la connexion et gérer surtout le coût des énergies qui y seront associées. Donc, je vais vous mettre en ligne donc la présentation. Pour démarrer, vous présenter déjà dans un premier temps l'écran que vous êtes en train de découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Je vais revenir dessus immédiatement. Donc là, vous voyez la partie concevoir une infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Donc, on sera aujourd'hui accompagné donc de Clément, groupe ABB, et on reviendra sur la partie optimisation grâce à Fractional. Au niveau de l'écran que vous découvrez, vous avez la partie chat, certains l'ont déjà utilisé pour qu'on puisse se dire bonjour. Vous avez la partie questions. N'hésitez pas tout au long de la présentation de pouvoir poser vos questions. Nous allons avec Clément et par la suite avec Thibault Maheu les reprendre. Donc, n'hésitez pas de poser vos questions et certaines, on y répondra sûrement en direct. Moi, dans le chat, directement, je vous répondrai. Et à la fin, on sera avec Clément et Thibault pour pouvoir y répondre de façon générale. Vous pouvez avoir en plein écran, pour ceux qui veulent avoir la présentation, enlever la partie droite, la partie chat, vous pouvez passer en mode plein écran et masquer de ce fait le panneau latéral. Donc, voilà ce qu'est l'écran que vous découvrez aujourd'hui. Donc moi, je serai de toute façon à côté de vous autour du chat et des questions. Donc n'hésitez pas à intervenir. Je prendrai en compte l'ensemble des demandes. Et je vais immédiatement laisser la main à Clément sur la partie infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Clément, c'est à toi. Merci beaucoup, Raphaël. Donc, rentrons dans le vif du sujet sur cette partie infrastructure de recharge électrique. L'objectif qu'on a aujourd'hui, c'est de présenter ABB un petit peu plus en détail sur cette partie IRVE, parce qu'on a un fort historique sur ces gammes de produits. Faire un point aussi sur la partie standard de charge, comment sont équipés les véhicules d'aujourd'hui et comment ils fonctionnent, à quelle puissance ils chargent, parce que c'est vraiment le point de départ de la constitution d'une infrastructure de recharge électrique qui sera adaptée vraiment aux besoins que vous avez. Et ensuite, on rentrera un petit peu plus dans le détail de nos produits. Donc, sur la première slide, on va pouvoir faire un petit historique d'ABB dans l'immobilité. Ça fait plus de 10 ans qu'ABB
et dans l'immobilité, historiquement plus sur la partie courant continu, où on a été assez précurseur, où on a été précurseur sur le lancement des premiers chargeurs haute puissance, hein, 50 kW à l'époque. Alors aujourd'hui, 50 kW, ce n'est pas forcément la très haute puissance, mais ça l'était au démarrage de ce type de chargeur. Et aussi, les premiers chargeurs tristandards, d'être impliqués également dans le développement des standards de charge. Donc, ABB a ce fort historique sur la charge en courant continu. Et depuis plus d'un an et demi maintenant, on a intégré à notre gamme une gamme de charge en courant alternatif, donc la Terra AC Wallbox, qui vient couvrir une plage de puissance que jusque-là, on n'adressait pas, de 3 à 22 kW. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ABB est capable de répondre à l'ensemble des besoins sur une plage de puissance très large, de 3 à 600 kW, avec un savoir-faire qui est assez étendu, hein, comme vous pouvez le voir sur la droite de la slide. Plus de 22 000 chargeurs d'essai qui ont été déployés dans le monde et 380 000 chargeurs AC, notamment via l'acquisition de une société de la société ChargeDot, qui est un des leaders sur ce marché de la borne AC. Voilà pour cette petite partie introductive, juste pour replacer un petit peu ABB dans le monde de l'immobilité. Et ensuite, on va rentrer donc dans le vif du sujet, comment on détermine et comment on conçoit une infrastructure de recharge. Alors, le premier réflexe à avoir, c'est vraiment de se poser les bonnes questions. On a tendance à partir un petit peu rapidement sur des bornes 22 kW. C'est en tout cas ce qu'on voit souvent sur les cahiers des charges. Attention, ce n'est pas forcément le type d'infrastructure qui vous permettra d'exploiter au mieux et de charger au mieux vos véhicules. Ce qu'il est important de se poser comme question, c'est quel est le temps de stationnement que vont avoir vos utilisateurs. C'est vraiment le point de départ. Parce que si on a un temps de stationnement qui est au-delà de 4, 5, 6 heures, par exemple sur notre parking de société, lorsque les collaborateurs vont venir sur le parking, le soir lorsqu'on est sur des véhicules au dépôt, le soir lorsqu'on est à l'hôtel par exemple, lorsqu'on a des temps de stationnement importants comme cela, on va pouvoir réduire la puissance de charge et charger en AC. Alors que lorsqu'on va avoir des personnes qui vont être en rotation, qui vont avoir une heure et demie pour charger ou une heure sur les stations-service, sur des véhicules de service qui doivent repartir rapidement, là, on va très vite basculer sur des temps de charge plus rapides. Et pour basculer sur des temps de charge plus rapides, on va être obligé de basculer sur du courant continu. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un peu lié, hein, c'est quel type de véhicule on va devoir recharger. Parce que certains véhicules peuvent charger que en AC, et on va le voir juste après sur la slide suivante. Certains véhicules chargent en courant continu et en AC, et donc il faut bien avoir conscience de ces éléments-là, parce que c'est clairement déterminant sur le temps de charge qui va être nécessaire à un véhicule en fonction de la borne qu'il y aura en face. Donc le slide que vous voyez là, il vous résume un petit peu les standards de charge qu'on a aujourd'hui sur le marché français. Alors, celui de gauche, c'est celui qu'il faut retenir aujourd'hui, le CCS2, hein, qui est aussi appelé parfois combo, qui est le standard de charge qui est déployé sur la très grande majorité des véhicules aujourd'hui. C'est un standard de charge en courant continu qui permet de charger jusqu'à 350 kW. Alors évidemment, ça dépend de la batterie, hein, qu'il y a sur le véhicule. Mais c'est un standard de charge qui permet également de charger en AC. Et on va le voir, on le verra juste après. On a ensuite le standard de charge CHAdeMO, qui est un deuxième standard de charge en courant continu, qu'on voit un petit peu moins aujourd'hui, qui était présent beaucoup sur les véhicules Nissan et sur les véhicules japonais, qu'on retrouve un petit peu moins aujourd'hui et qui est quand même amené à disparaître, ou en tout cas à être bien moins présent sur notre parc. Mais il y a un parc de véhicules existant, évidemment. Et il y a la charge en type en courant alternatif, qui est la charge lente, hein, mais qui a la spécificité de pouvoir être utilisée sur tous les véhicules. On le détaillera plus tard, mais certains véhicules ont la particularité de n'intégrer que cette charge en courant alternatif. C'est notamment le cas de beaucoup de véhicules hybrides rechargeables, hein, qui, étant donné qu'ils sont équipés d'une batterie qui a une faible autonomie, on va pouvoir charger ces véhicules lentement. Et du coup, la prise en courant alternatif est largement suffisante, je dirais. Ensuite, on a l'exception aussi des véhicules Renault, qui historiquement n'étaient équipés que de cette prise en courant alternatif.
avec la possibilité de charger jusqu'à 22 kW. Donc voilà, les trois standards qu'on a aujourd'hui. Et ensuite, une fois qu'on a compris un petit peu comment fonctionnaient les standards, on va voir que bah, entre l'AC et le DC, on ne charge pas aux mêmes vitesses. Sur la slide suivante, on va voir que, comme je vous le disais, même si le véhicule est équipé d'une prise en courant continu, exemple la CCS2 comme on peut le voir ici, ou l'achat démo, on peut charger également en courant alternatif. Charge rapide en courant continu, charge lente en courant alternatif. La slide suivante, elle nous montre qu'on a vraiment du coup deux approches sur les véhicules de ce type-là. On va charger rapidement via le courant continu. Le chargeur qui est sur la droite est une borne en courant continu de 50 kW. Cette borne, elle est alimentée en courant alternatif, hein, en 400 volts. Et derrière, la conversion de puissance pour venir alimenter la batterie en courant continu, elle se fait à l'intérieur du chargeur. Et on va être capable de délivrer des puissances de 50, 100, jusqu'à 350 kW potentiellement et alimenter directement la batterie. Donc ça, c'est vraiment l'aspect charge rapide. Ensuite, sur ces véhicules-là, qui, comme je vous le disais, hein, sont le gros des véhicules qu'on a aujourd'hui, on a un aspect charge lente. Donc, via la borne qui est sur le côté gauche, hein, qui est alimentée en courant alternatif, on va en courant alternatif jusqu'au véhicule. Et en fait, c'est un convertisseur embarqué, hein, dans le véhicule qui va se charger de faire cette conversion courant alternatif, courant continu. Et comme dans ce cas de figure-là, de ces véhicules-là, on a la possibilité de charger en courant continu, bah, ce convertisseur embarqué, il va être en quelque sorte bridé. Il va avoir une puissance qui est limitée, la plupart du temps à 7 kW, parfois à 11. Mais c'est là où on comprend que ce gros des véhicules qui sortent aujourd'hui, en courant alternatif, vont avoir une puissance de charge, dans la très grande majorité du temps, limitée à 7 ou à 11 kW. Et c'est là où on comprend que, bah, en fonction du véhicule, même si je mets une 22 kW, potentiellement, je chargerai trois fois moins vite sur un véhicule qui est équipé d'une prise CCS2. On a pris deux exemples pour vous expliquer les différences que ça peut créer d'un véhicule à l'autre, qu'on va voir juste après. Vous voyez, la Renault Zoé, je vous parlais tout à l'heure d'une spécificité sur ce véhicule-là qui peut charger qu'en AC. Alors, en effet, je me permets de rebondir sur ce que nous dit Hubert dans le chat, les Renault Zoé de première génération pouvaient charger jusqu'en 43 kW AC. Alors bon, ça n'a pas été une très très grande réussite parce que c'était ça créait des petites problématiques sur le réseau, notamment. Aujourd'hui, on est sur du 22 AC et sur les Renault Zoé, hein, sur la possibilité de venir mettre l'option charge rapide. Mais le gros des bornes qu'on déploie en AC et du coup le gros de notre parc, pour revenir sur ce que vous disiez Hubert, le gros de notre parc, c'est du 22 AC. C'est du 22 AC parce que historiquement, on a cette Renault Zoé qui était capable de charger en 22 AC. Et comme vous le voyez, elle n'a pas cette infrastructure de charge DC qu'on avait vu tout à l'heure sur les autres véhicules. Et donc, la Renault Zoé, certes, sur un chargeur AC, elle va pouvoir charger à 22 kW, donc se recharger en 2h30. Par contre, si on a besoin d'aller plus vite que ça pour recharger notre Renault Zoé, bah, on va être un peu bloqué. Là où les autres véhicules équipés d'une prise DC ont cette alternative et ces deux modes de charge. On a justement l'exemple de la... On a pris un exemple, hein, qui n'est pas exhaustif, mais qui est la Peugeot i208, hein, juste après, mais qui est le cas du coup de beaucoup de véhicules, de tous les véhicules qui sortent aujourd'hui équipés d'une prise CCS2 avec... La partie charge rapide qui va jusqu'à 100 kW en DC et donc la possibilité de charger cette batterie en 30-45 minutes. Et ensuite, la partie charge lente en courant alternatif où là, le chargeur embarqué, il va être trois fois moins puissant que celui qu'il y a dans une Renault Zoé. Et du coup, on va charger en 5-6 heures notre batterie de la i208. Mais on a cette double approche avec la possibilité de charger lentement et la possibilité de charger rapidement. L'idée derrière tout ça, c'est vraiment de vous dire que voilà, le service qu'on va apporter avec une borne 22 kW ou le fait d'installer plutôt une borne 7 kW parce que c'est ce que représente le gros des chargeurs embarqués sur le marché, en effet, c'est des questions à poser, c'est des éléments à prendre en considération. Parce que ça va orienter le choix, notamment le choix de chargeur AC, hein, qu'on va déployer
soit de mettre des 7 kW, soit de mettre des 11 kW, soit de mettre des 22 kW, en fonction du parc de véhicules que je vais avoir en face. Une fois qu'on a environné un petit peu tous ces aspects-là, je vous propose de rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qu'on est capable de proposer chez ABB. Alors, on a discuté des différentes puissances de charge, des convertisseurs embarqués, des véhicules aujourd'hui sur le marché. Tout ça est couvert par les bornes AC lorsque l'on est sur le parking de notre société, lorsque l'on est en résidentiel à la maison, sur le parking d'un hôtel, éventuellement d'une zone commerciale, mais en prenant en considération que les véhicules vont charger plus lentement. Et ensuite, lorsqu'on a des besoins de charge qui vont et des temps de stationnement qui vont réduire, donc des besoins de charge plus puissantes, de basculer nécessairement et assez logiquement vers de la charge DC, donc soit en 24 kW comme vous pouvez le voir ici, soit 50 jusqu'à 180 et sur les superchargeurs jusqu'à 350 kW. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est quand même de se focaliser sur la borne AC hein, qui évidemment, vu que nos véhicules sont très régulièrement stationnés, qui sont aujourd'hui les bornes qui sont le plus déployées et à raison, parce que la charge lente, dans beaucoup de cas de figure, c'est la charge qui est à plébisciter. Et c'est pour ça qu'on va se concentrer sur les gammes de Terra AC Wallbox qu'on est capable de proposer. Clément, je vais juste parce qu'on a deux questions qui reviennent et je pense que comme on va se concentrer là sur la partie AC, sur la partie DC de ta connaissance côté groupe ABB, est-ce que la charge DC réduit la vie des batteries? Alors, bon, sur ce point, c'est plus côté constructeur, hein, c'est un sujet un peu délicat pour les constructeurs parce qu'ils s'engagent sur des durées de vie de batterie, sur des courbes de charge, sur une optimisation de fonctionnement sur la durée de vie de la batterie. Mais aujourd'hui, il y a certaines études qui disent que ça a un impact sur la durée de vie des batteries. Les constructeurs, eux, s'engagent sur une durée de vie et une puissance de charge maximale qui est définie et qui doit être tenue. C'est pour ça aussi qu'on a des courbes de charge qui sont très différentes d'un véhicule à l'autre. Une Porsche Taycan, Porsche annonce que la Porsche Taycan peut charger à 350 kW. La Porsche Taycan, elle charge à 350 kW sur une période très restreinte de quelques minutes. Et ensuite, la courbe de charge décroît fortement. Donc, c'est un sujet qui est un peu particulier. J'avoue que peut-être plus s'adresser aux constructeurs pour avoir une vision très claire de ce point-là. Oui, alors c'était pour Philippe et Nicolas qui ont posé cette question, hein, qui est revenue. Alors, n'hésitez pas à compléter. Et Clément, donc on va pouvoir donc rentrer maintenant dans le vif du sujet autour des offres. Et la première, la Terra AC. Exactement, Raphaël. Donc la Terra AC qui est la nouvelle venue donc dans la gamme ABB hein, depuis à peu près un an maintenant. C'est un produit qu'on a voulu ultra compact, qu'on a voulu connecter avec beaucoup de fonctionnalités intégrées directement. On a voulu donner la possibilité de réduire le nombre de références pour pas trop s'y perdre, mais d'avoir beaucoup de fonctionnalités intégrées de manière à pouvoir, en fonction du type d'installation et en fonction des usages qu'on va avoir derrière, jouer en quelque sorte avec ces fonctionnalités, activer, désactiver, de manière à répondre aux besoins exacts du client final. On l'a voulu aussi évolutive, avoir la possibilité sur une borne, sur un certain nombre de références, de jouer sur la puissance, de raccorder en monophasé ou en triphasé, d'être en 7 ou en 22, et du coup, un peu dans la continuité de tout ce qu'on s'est dit avant, de s'adapter au modèle d'usage et d'utilisation qu'on va avoir sans trop de difficultés en utilisant un nombre de refs très restreint. C'était vraiment notre objectif. Donc, quand je vous dis compact, je pèse mes mots, hein, on est sur une borne qui fait moins de 3 kg, donc qui est très légère, qui fait moins qu'une feuille A4 hein, en termes de dimension. Donc, par rapport à un certain nombre de produits qu'on peut voir sur le marché et sur les retours qu'on a hein, de la part des installateurs sur le terrain, voilà, c'est vraiment un point très intéressant et très important. On a aussi le fait qu'on ait une empreinte
visuelle qui est très restreinte, que ce soit à la maison, que ce soit sur un parking de société. Voilà, c'est vraiment des choses qui sont plébiscitées et qui sont mises en avant. Sur ce visuel, vous pouvez voir le produit. Excuse-moi, Raphaël. Sur ce visuel, on peut voir le produit où vous avez les éléments assez classiques. Vous avez la prise T2S qui est en bas pour pouvoir venir raccorder votre câble. Le RFID juste en haut au niveau du trait de ultra compact que vous voyez là, qui est intégré dans quasiment l'ensemble de la gamme. Il y a juste une référence en 4 kW qui ne l'intègre pas. Et derrière, vous allez pouvoir l'activer ou le désactiver en fonction de votre usage. Et les classiques, je dirais, voyants de fonctionnement qui vont nous dire l'état de charge du véhicule, nous dire si le chargeur est connecté à Internet, voilà, nous donner des indications sur le fonctionnement du chargeur. Voilà pour tous ces éléments. C'est ce qui est un petit peu résumé ici. On a bénéficié vraiment, on a développé ce produit avec la société ChargeDot, dont je parlais tout à l'heure, qui a été acquise par ABB, qui nous a, de par son expérience de plus de 380 000 chargeurs, qui nous a vraiment accompagnés dans le développement pour faire une borne de haute qualité, où on a repris aussi les standards de nos bornes d'essai et notre expertise de plus de 10 ans, je dirais, dans cette gamme-là, dans ces gammes d'IRVE chez ABB. Ce côté compact que je mettais en avant aussi. La partie connectivité, parce que vous allez le voir, on accompagne les installateurs, on accompagne potentiellement les clients finaux avec des applications qui vont permettre de finaliser la mise en service et qui vont permettre aussi pour l'utilisateur final, dans certains cas de figure, notamment dans le résidentiel, de pouvoir exploiter assez simplement son chargeur, de pouvoir le mettre à jour, comme il pourrait le faire avec un autre objet connecté de la maison. Voilà. Alors, en termes de référence, ça représente quoi? On est aujourd'hui sur, on va vous présenter 6 références. 2 références 3,7 kW, 2 références 7 kW et 2 références 22 kW qui peuvent potentiellement, comme je vous le disais tout à l'heure, être accordées en monophasé pour délivrer uniquement 7 kW, qui peuvent aussi électroniquement être bridées, mais on va le voir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Alors, 2 références 3,7 kW, pardon. Donc là, si on se projette sur les usages, comme c'est l'exercice qu'on va essayer de faire un peu à chaque étage, bah là, 3,7 kW, comme on se le disait, on va être sur une utilisation plus à la maison parce qu'on a une puissance qui est assez limitée au niveau de notre tarif. Donc, 3,7 kW, ça peut être une puissance acceptable sans avoir besoin de faire du délestage ou de prendre en considération d'autres postes de consommation. Ça peut être aussi un choix qui est judicieux si on a un véhicule hybride rechargeable. Parce que si on remonte un petit peu sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, grande majorité des véhicules hybrides rechargeables sont équipés d'une prise qui, de toute façon, est limitée à 3,7 kW. Donc, c'est de référence deux versions. Une version avec RFID. Donc, le RFID est le mécanisme d'autorisation qu'on va retrouver sur une grande partie des bornes de recharge aujourd'hui, qui nous permet de venir passer un badge et d'autoriser la charge, éventuellement d'identifier l'utilisateur. C'est le mécanisme qui est le plus plébiscité. Et une version sans RFID qui est sur la droite, où là, nous n'avons pas le RFID, comme je vous le disais. Et là, typiquement, on parlait d'installation dans le résidentiel. Si je suis à la maison et que je n'ai pas besoin forcément de mécanisme d'autorisation de la charge, je vais plus basculer sur cette version-là. Donc, c'est des puissances de charge qui sont assez restreintes, entre guillemets, où on peut avoir sur une prise protégée ou sur une prise de pôle plus terre des puissances qui sont assez similaires. Voilà. La wallbox, elle offre un confort d'utilisation quand même pour l'utilisateur qui n'est pas négligeable et qui est là dans ce cas de figure, ce qui sera plébiscité pour les personnes qui déploient une wallbox 3,7 kW. On monte d'un échelon, on monte à l'échelon qui est celui du 7,4 kW, l'échelon, comme on l'a dit, où la grande majorité des véhicules qui sortent aujourd'hui, des véhicules de monsieur tout le monde, je dirais, où le convertisseur embarqué dans le véhicule est limité à cette puissance. Donc là, on rentre à un échelon qui va répondre finalement à beaucoup de véhicules sur la puissance de charge qu'ils sont capables d'avoir. Si j'ai un parc je vais reprendre l'exemple de la Peugeot i208, mais ça pourrait être un autre véhicule électrique. Si j'ai un parc de Peugeot i208, typiquement, si je veux déployer de la borne AC,
je n'ai pas d'intérêt à mettre plus que cette borne 7,4 kW parce que de toute façon, les véhicules qui vont venir charger dessus ne pourront pas aller plus vite. Et c'est là, vous voyez, on reprend un petit peu tout le cheminement qu'on a fait ensemble tout à l'heure. Donc, deux références aussi sur cette gamme-là. Une référence qu'on qualifierait de standard chez nous, mais qui correspond à de la borne premium par ailleurs, hein, parce que vous avez la partie connectivité, le Wi-Fi, l'Ethernet pour venir vous connecter sur une solution de supervision et Raphaël et Thibault vous en parleront tout à l'heure. Le Bluetooth pour se connecter aux applications, comme je vous le disais tout à l'heure, qui vont permettre à l'installateur d'interagir avec le chargeur, au client final dans le résidentiel aussi pour interagir avec le chargeur. Le RFID qui est intégré de base, activé ou désactivé. Hein, si je suis sur le parking fermé d'une société et que je veux que mes collaborateurs aient une simplicité d'usage lorsqu'ils arrivent, qu'ils aient juste à se brancher, à charger, bah, l'installateur pourra en un clic sur l'application désactiver le RFID. Évidemment, la prise T2S, un classique. Et vous le verrez noté sur chacune de ces refs-là, l'éligibilité pour advenir sur l'ensemble de cette gamme-là. Une deuxième version en 7 kW. Oh, ouais. Bon, après, vous allez voir, on a le même schéma sur le 22, donc ça, vous y retrouverez. Une deuxième version qui, là, pour le coup, est vraiment une version premium pour nous, hein, où on vient rajouter trois éléments. Le premier, c'est un mode de connectivité supplémentaire, la 4G. On va avoir le slot carte SIM pour pouvoir venir positionner une carte SIM. Encore une fois, on en parlera tout à l'heure, mais souvent, les opérateurs viennent positionner une carte SIM dans le chargeur. L'Ethernet également, mais cette fois-ci, vous avez deux ports Ethernet, donc la possibilité en Ethernet de faire des ponts entre les chargeurs. Et du coup, en termes d'infrastructure, d'avoir un impact un peu moins important. Un écran, comme vous le voyez, hein, c'est la petite différence qu'il y a avec les autres chargeurs, un petit écran LCD qui va vous donner l'information de la consommation sur votre session de charge. Donc ça peut être intéressant pour l'utilisateur final de voir ce qui a été délivré à son véhicule et l'information de la consommation sur le compteur intégré. Et c'est l'aspect complémentaire. Il y a un compteur MID directement intégré dans ce chargeur. Et dans de nombreux cas, c'est nécessaire dans le cas d'une refacturation d'énergie. Et dans certains cas, notamment par rapport à Advenir, il est nécessaire d'avoir ce compteur MID. Là, il est directement intégré dans le chargeur. Donc, c'est vraiment un confort complémentaire aussi. On grimpe encore d'un échelon, 22 kW. Donc, des chargeurs qui vont, là, du coup, qui peut le plus, peut le moins. Donc, qui vont pouvoir gérer l'ensemble du parc de véhicules. Aussi bien une Renault Zoé qui pourra du coup se charger en 2h30 que le reste des véhicules en 7 ou en 11 kW qui du coup chargeront un peu moins vite, mais où l'ensemble de la plage de puissance sera couvert. Donc typiquement, hein, sur des installations où on va être potentiellement confronté à l'ensemble du parc de véhicules et en fonction aussi du service qu'on veut offrir à nos clients, eh bien ce chargeur permet de couvrir tous ces besoins. Et ensuite, on est vraiment sur le même schéma. Je ne vais pas m'attarder parce qu'on est sur le même schéma que la 7 kW, une référence assez standard, mais avec beaucoup d'applications, avec beaucoup d'options de connectivité et une version premium avec le compteur MID et l'afficheur LCD qui sont également présents. On a perdu Raphaël, je crois. Est-ce que éventuellement... Vous me voyez encore, je pense. OK. Alors, c'est le direct. Hein. On va essayer de partager la présentation de notre côté. Bougez pas. Webinar. Hop. Ah, Raphaël est revenu. Hop, elle est revenue. Bon, Raphaël m'a devancé. Donc, voilà sur ces REV 22 kW. Donc, je reprends, hein, comme je vous le disais. Voilà, bien se focaliser sur les usages. Je prenais l'exemple de ces bornes 22 kW. Si, par exemple, vous êtes sur un parking d'hôtel et que finalement, les gens, lorsqu'ils arrivent le soir, on sait qu'on a un temps de charge de 5, 6, 7 heures.
bah finalement, on va peut-être partir sur de la 7 ou de la 11 parce que, en tout cas, sur une puissance bridée, du coup, avec un impact énergétique, un impact en termes de dimensionnement moins important, parce que je sais que les gens vont rester, quoi qu'il arrive, le temps suffisant pour charger à 7 ou à 11 kilowatts. Et donc, c'est vraiment ce type de question qui faut se poser lorsqu'on fait une infrastructure de recharge. On va passer sur la slide suivante, Raphaël, s'il te plaît. Alors, sur les accessoires qu'on a pour ces gammes-là, c'est des accessoires assez classiques, donc des pieds. Si vous n'êtes pas en mural, vous avez la possibilité de venir positionner vos chargeurs sur des pieds simples avec un seul chargeur, des pieds doubles avec deux chargeurs dos à dos. Et on a également une option d'avoir le compartiment ride-in, donc le compartiment pour les protections modulaires au pied du chargeur. Ça vous permet tout simplement d'avoir qu'un seul départ depuis votre tableau électrique. Autres accessoires qui sont assez classiques pour ces gammes de produits, les cartes RFID qu'on va voir sur la slide suivante, qui sont disponibles fournies par ABB. Pour information, ces cartes RFID, elles peuvent être également externe, c'est-à-dire que je vous parlais tout à l'heure de la possibilité sur l'application pour les installateurs de choisir un petit peu ce qu'on souhaite faire, la possibilité d'activer les cartes RFID si on est dans une copropriété ou si on est sur un parking de société où on n'a qu'un seul type de carte, où on a déjà des badges existants, on va pouvoir utiliser ces badges. Les autres accessoires qu'on est capable de proposer, c'est les pieds. Alors Raphaël, je ne sais pas si tu peux passer la slide suivante, si tu nous entends. Et les pieds, eux, ils vont nous permettre, les câbles, ils vont nous permettre. Alors les câbles, ils sont fournis la plupart du temps avec le véhicule, sauf que bon, les constructeurs parfois, ils omettent de les intégrer. En tout cas, les câbles T2, parce que on va utiliser le câble standard avec une prise de pôle plus terre. Donc si vous n'avez pas votre câble, sachez que vous pouvez les sourcer chez Rexel avec, par le biais d'ABB. Il me reste 2-3 minutes. Je vais juste aborder et faire la transition sur la partie connectivité. Je vous le disais tout à l'heure, on a deux applications, une à destination des installateurs et une à destination des utilisateurs pour faciliter la mise en service du chargeur et son exploitation dans les cas du résidentiel, lorsqu'on n'a qu'un seul chargeur de déployer notamment. Raphaël, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Donc, ces deux applications, Charger Sync à destination de l'utilisateur final, où il va pouvoir s'identifier très simplement et où il va pouvoir, on va le voir juste après sur les autres slides, où il va pouvoir interagir avec son chargeur, il va pouvoir le mettre à jour, il va avoir une visualisation de ses statistiques, il va pouvoir planifier des charges décalées. Voilà, donc un certain nombre de fonctionnalités qui peuvent être intéressantes au quotidien. Pour l'installateur, une application qui s'appelle TerraConfig, où là, l'installateur fait la démarche auprès d'ABB de faire une création de compte. Et une fois que son compte est créé, il pourra exploiter son application sur l'ensemble de ses installations et faire sa configuration en 5 minutes à la suite de l'installation et de la mise sous tension. Donc, sur les slides suivantes, on va voir un petit peu en détail les fonctionnalités disponibles sur ces applications. TerraConfig, pour l'installateur. Donc, on va mettre à jour le chargeur dans sa dernière version de soft. S'il y a des nouvelles fonctionnalités, s'il y a des besoins d'interopérabilité avec des nouveaux véhicules, voilà, le chargeur il est tout le temps maintenu à jour et il n'y a pas besoin de mettre une clé USB ou de se connecter en Ethernet avec un ordi. Vous avez la possibilité directement vous connecter via le Bluetooth et de mettre à jour le chargeur. La possibilité de piloter de faire du pilotage de charge statique. Donc, je vous disais tout à l'heure, j'installe une 22 kW, je veux la brider à 11 kW parce que mon tarif ou ma puissance disponible est moins élevée. Je vais pouvoir brider via cette application et quoi qu'il arrive, on se limitera à cette puissance-là. Même si une Renault Zoé à 22 kW arrive, le chargeur sera bridé à 11 kW. C'est ici qu'on fera la configuration pour remonter vers une supervision FreshMile par exemple. Où on va définir l'option de connectivité choisie, si on valide les cartes RFID externes ou pas, si on active ou pas le RFID, vous voyez, vous avez tout un panel de fonctionnalités qui peuvent être activées, désactivées par le biais de cette application et ça permet vraiment de finaliser la mise en service pour l'installateur. Pour l'application Charger Sync,
Là, pour le résidentiel, pour l'utilisateur qui n'a que ce chargeur-là, bah, il va pouvoir s'identifier tout seul. Hein, il va pouvoir se créer son compte depuis son smartphone et il va pouvoir mettre à jour lui aussi son chargeur hein, de manière autonome. Mais c'est un point important aujourd'hui, les produits pour intégrer le plus de fonctionnalités possibles doivent être mis à jour. Hein, on le retrouve sur nos smartphones et sur tous les objets connectés. Lui aussi va pouvoir faire du pilotage de charge en fonction de la période où il est. Il va pouvoir planifier les charges, comme je vous le disais, et avoir la visualisation de ses statistiques de charge, savoir combien ça lui coûte au mois, à l'année. Donc ça, c'est des éléments qui sont aussi intéressants. Alors, bon, ça, c'est la gestion de charge que je vous expliquais hein, sur Charger Sync, le curseur pour l'utilisateur final, bah, de où il va pouvoir dire, là, à cette période-là, il y a d'autres postes de consommation dans la maison, je souhaite charger un peu moins rapidement. Sur le curseur, il va pouvoir déplacer et limiter l'ampérage de sortie de son chargeur de manière très simple. Et de manière un peu plus approfondie, faire de la gestion de charge dynamique, et ça sera ma dernière slide, de faire de la gestion de charge dynamique, de venir positionner un compteur dans notre installation qui va prendre en considération les autres postes de consommation de la maison et en configurant sur Charger Sync les informations de la capacité maximale de notre installation et du moment où on souhaite que le chargeur se mette en délestage, d'avoir un chargeur qui va s'adapter aux autres postes de consommation et qui va adapter sa puissance en fonction de la période et du coup, d'éviter que, quoi qu'il arrive, on ait un dépassement de la capacité électrique de notre installation et de faire disjoncter notre installation. Donc ça, c'est vraiment la gestion de charge sur des schémas simples. Après, on a des cas d'exploitation qui sont un peu plus importants, où on a la nécessité d'identifier les utilisateurs, de monétiser les charges. Et dans ce cas-là, on passe sur une solution avec un superviseur. Et c'est là où je passe la main, je dirais, à Raphaël et Thibault qui vont développer un petit peu plus cette partie-là. Bah, merci Clément. Et avant de passer la main, si tu veux bien, j'ai quelques questions sur ce qu'on vient de voir ensemble. Ce que je te propose, c'est qu'on puisse répondre à ce qu'on a eu de questions de Hubert. Alors, je sais qu'il y a aussi Pierrick qui a posé, qui a répondu un peu à la question, mais est-ce qu'aujourd'hui, le groupe ABU propose des bornes véhicules électriques avec le câble attaché directement sur la borne pour charger le véhicule? Est-ce que c'est… Alors, oui et non. Et Pierrick a donné une partie de la réponse. Alors, Hubert, en effet, hein, comme je vous l'ai dit, hein, on a déployé énormément de bornes au niveau mondial. Et du coup, ce qui veut dire que derrière, on a un panel de produits, notamment sur cette Terra AC, qui couvre les besoins mondiaux. Et il s'avère que dans d'autres pays, les contraintes réglementaires, je dirais, sont moins importantes qu'en France. Ce qui veut dire que sur le papier, dans la gamme ABB, on intègre des bornes avec câble attaché et on intègre aussi des bornes avec une prise T2 et non T2S, hein, donc une prise sans obturateur. Par contre, ce sont des bornes qui aujourd'hui ne sont pas au catalogue français, en tout cas pour l'instant, parce que la réglementation française, sur le papier, hein, limite à l'utilisation de la prise T2S, donc avec obturateur. Le programme à devenir demande, en effet, comme le dit Pierrick, hein, des bornes qui n'ont pas le câble attaché. Et du coup, tant que la réglementation, nous, on suit la réglementation, tant que la réglementation n'évolue pas et qu'on n'ouvre pas vers des bornes à câble attaché, en tout cas des bornes AC, parce qu'il faut savoir que, par exemple, sur les bornes DC, on a un câble attaché. Il y a quelques incohérences qui vont, dans le temps, je pense, être résolues. Mais bon, pour répondre à votre question, aujourd'hui, c'est des bornes qui ne sont pas au catalogue. D'accord, bah c'est très clair. Merci Clément. Une deuxième question, et là, c'était Pierrick. Je pense que tu as répondu déjà un peu à cette question. Sur la slide qu'on voit juste là, hein, tout à fait. Les bornes domestiques sont-elles équipées de gestion de l'énergie par la TIC? On parle de la téléinformation client. Exactement. Alors… Non, on n'a pas l'intégration de la TIC directement, en tout cas aujourd'hui. Voilà.
Par contre, bah, la slide que vous avez en visuel juste là, bah, vous montre qu'on a finalement une solution équivalente qui permet de faire de la gestion de charge dynamique en fonction des autres postes de consommation. Et c'est bien ça que sert cette téléinformation et ce raccordement sur, pour ne pas le nommer, le compteur Linky, qui intègre cette téléinformation. Donc, on a une solution équivalente, alors qui nécessite l'installation d'un hardware complémentaire, mais sans grande difficulté d'installation non plus, parce qu'on est vraiment au même niveau du tableau. Et derrière, on fait le raccordement en RS-485, donc en filaire, hein, entre le chargeur et ce compteur. Et du coup, on vient se raccorder sur le chargeur et on fait de la gestion dynamique de charge par ce biais-là. Ah, très clair, Clément. Merci. Du coup, il faut mettre un compteur en fait entre le général et notre tableau qui va prendre les informations, je me permets de répondre à Pierrick directement, qui va prendre les informations montantes des autres postes de consommation de notre domicile et qui va retransmettre au chargeur via le RS-485, via le mode bus, les informations au chargeur qui, du coup, si on a mis un palier à 90% de notre installation, lorsqu'on va dépasser ces 90%, le chargeur va se mettre en délestage et en fonction des autres postes de consommation, on va remonter en puissance progressivement selon ce qui se passe d'autre part, on va dire. D'accord. Bon, Clément, merci beaucoup pour cette première partie. Donc, on a pu regarder l'ensemble des solutions que proposait le groupe ABB. On a bien vu hein, cette pertinence autour de la charge lente, autour de la 3-7 kg. On monte en puissance vers la 7 et après, on monte jusqu'à la 22 kg. On n'oublie pas aussi que dans l'offre ABB, il y a aussi toute la partie courant continu. Parce que forcément, il y aura un besoin demain d'avoir une charge un peu plus rapide dans certains sites. Je pense aux stations de service de demain, concrètement, sur lesquelles vous êtes déjà en train d'être présent et de proposer les solutions pour toutes ces sociétés aujourd'hui qui vont nous permettre de traverser la France, on va dire, ou par ailleurs avec cette charge un peu plus rapide. Donc, moi, ce que je vous propose sur cette première partie, c'est n'hésitez pas à continuer à poser vos questions autour de l'offre ABB. Si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas à les mettre et on vous enverra par la suite forcément des dossiers complémentaires pour revenir sur l'intégralité de la présentation de Clément. Clément, tu restes avec nous pour le moment parce qu'on a peut-être des questions qui vont revenir, donc on te garde. Avec plaisir. Merci Clément. Et on va rentrer maintenant sur la partie plus optimisation parce que là on était, Clément a présenté toutes les offres, on parlait d'une borne. Maintenant, si demain on devait avoir 2, 3, 4 jusqu'à une dizaine de bornes, concrètement lorsqu'on est l'utilisateur de cette borne ou qu'on est les propriétaires, bah, concrètement ça se passe comment ? Et ce que je voudrais, c'est pouvoir vous présenter Thibaut Maheu qui va me rejoindre. Thibaut, bienvenue. Merci, bonjour à tous. Si tu peux te présenter. Oui, donc Thibaut Maheu, je suis directeur de la direction des services et je m'occupe des services autour de des bornes de recharge, donc des infrastructures de recharge véhicule électrique, de la formation de nos clients et aussi des services sur du smart building. Mais écoute, très clair. Moi, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est rentrer dans la suite de la présentation. Je vais laisser la parole à Thibaut désormais. Et je vais mettre sa première slide, les services IRVE by Rexel. Thibaut, à toi. Alors oui, donc on a beaucoup parlé de produits ce matin. Donc, chez Rexel, on a développé un catalogue de services pour accompagner ces produits, donc ces bornes de recharge. Donc, le premier service qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est les services de charge autour de l'opérateur FreshMile, qui est un opérateur intégré chez Rexel. On parlera un peu moins des services à devenir, du financement, et on parlera de la formation. Donc, il y aura un focus ce matin sur les services de charge via FreshMile et sur la formation des clients, donc formation IRVE. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent ou non FreshMile, qui est un opérateur de charge. Donc, qu'est-ce qu'un opérateur de charge ? Donc, petite image rapide pour bien comprendre aujourd'hui ce que c'est qu'un opérateur de recharge. Je pense que vous avez tous acheté un téléphone portable aujourd'hui et forcément, vous avez passer par un opérateur de téléphonie, que ce soit Bouygues, Free, Orange ou SFR. Vous vous rendez bien compte que finalement, un téléphone sans opérateur, bon, c'est un bel appareil photo, mais on ne peut pas faire grand-chose avec. Donc, c'est un peu pareil pour la borne. Sur la borne, quand on va rajouter par-dessus un opérateur de charge, on va rajouter de nombreux services et fonctionnalités à la borne. Donc, on va voir sur la prochaine slide toutes les fonctionnalités qu'apporte un opérateur de charge comme FreshMile. Premier point important, une borne aujourd'hui, s'il n'y a pas d'opérateur, on ne pourra pas facturer la recharge.
Donc, si quelqu'un vient sur la borne, il n'y a pas d'opérateur, la recharge sera forcément gratuite. Mais via FreshMile, on peut monétiser la recharge sous différents moyens, soit à la minute, au kilowatt ou les deux. Donc, on a vraiment une possibilité de facturation assez illimitée. Donc, c'est le premier point. On peut facturer la recharge grâce à un service FreshMile. Ensuite, on va pouvoir géolocaliser les points de charge. Aujourd'hui, un point de charge sur lequel il n'y a pas d'opérateur comme FreshMile, il est invisible. Alors que via FreshMile, on peut le retrouver sur Waze, Google Maps, tout service qui permettra de localiser un point de charge. Donc, un autre avantage que ça a, c'est que ça donne plus de visibilité au propriétaire des bornes s'il a un hôtel, un restaurant, un commerce. Enfin, voilà, ça permet d'être visible sur de nombreuses cartes en ligne qu'utilisent les propriétaires de véhicules électriques. Ensuite, via FreshMile, on pourra gérer les accès. Donc, important, on peut savoir qui se connecte au point de charge et pouvoir dire qui se connecte et qui peut ne pas se connecter. On peut aussi réserver la recharge sur un point de charge. Il n'y a rien de plus frustrant que d'arriver sur un point de charge sur l'autoroute ou ailleurs et de faire la queue pendant 1 ou 2 heures pour pouvoir recharger. Non, là, on peut, via FreshMile, réserver un créneau de recharge. Donc, on arrive, on se recharge, on ne perd pas de temps. Ensuite, on peut assurer le pilotage énergétique de la charge, donc un pilotage statique, donc limiter la puissance d'une station de charge, qui peut être pratique pour éviter de surcharger le tableau d'un commerce, d'un restaurant ou autre. Donc, on peut limiter via FreshMile. Et c'est un point qui est demandé par Advenir. Et FreshMile est éligible en tant qu'opérateur de charge qui peut faire du pilotage statique de la recharge. Donc, ça remplit un des critères obligatoires de la subvention Advenir. Autre point, on peut, via FreshMile, il coordonne la maintenance curative sur site. Donc, s'il y a un problème sur une borne qui ne peut pas être résolu à distance par FreshMile, on contactera l'installateur qui a fait l'installation initiale. Et s'il le souhaite, il ira faire la maintenance. Il peut aussi décliner. Dans ce cas-là, FreshMile pourra trouver un autre installateur qu'ils ont dans leur annuaire. Mais c'est important de savoir que c'est l'installateur qui a fait l'installation au départ qui est prioritaire. On peut ensuite, via FreshMile, consulter les rapports en ligne de charge. Donc, savoir sur une borne qui s'est rechargée, combien d'argent, si on a monétisé la charge, on a pu gagner, énergie dépensée. Et c'est aussi un des points qui est obligatoire sur Advenir, c'est de remonter les données de consommation. Donc, FreshMile le fait de manière automatique. Il communique avec les serveurs de JREV et renvoie les données de consommation des bornes. Un autre point, FreshMile propose un service d'assistance 24/7 pour l'usager qui vient sur une borne, véhicule électrique, qui veut se recharger, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas ou il a un problème. Plutôt que d'aller embêter le restaurateur ou le patron d'un commerce ou autre, ils auront un numéro en ligne directement sur la borne. Ils peuvent rentrer en contact avec les services de FreshMile, leur exposer leurs problèmes et FreshMile pourront à distance l'aider à résoudre son problème. Donc c'est quelque chose, c'est un service qui est important pour les clients. Il permet aux propriétaires des bornes de ne pas être embêtés pour quelconque question des usagers. Et dernier point qui est très important, FreshMile, il peut surveiller à distance, superviser les bornes. Donc ils vont voir sur le parc de bornes quelles bornes fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Quand elles ne fonctionnent pas, FreshMile a une alerte avec un code erreur associé et ils pourront à distance résoudre le problème dans 80% des cas. Mais dans 20% restants, ils coordonnent la maintenance sur site avec un installateur. Mais FreshMile peut à distance résoudre une grande majorité des problèmes en démarrant la borne ou toute autre action qu'ils vont pouvoir faire à distance sur la borne. Donc voilà, ça résume les principales fonctionnalités que propose un opérateur de charge comme FreshMile que vous pouvez retrouver chez Rexel. Donc maintenant, on va pouvoir découvrir en direct, je vais vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'on entend parler par opérateur de charge FreshMile, qu'est-ce qu'il apporte sur les bornes par rapport à la géoloc. Donc, on va aller sur le site de FreshMile que vous pouvez tous avoir en accès en plus, soit qu'il y a l'application FreshMile que vous pouvez trouver sur l'App Store qui est gratuite, sans inscription. Vous pourrez voir autour de vous s'il y a des bornes qui sont opérées ou non par FreshMile. Et quand une borne est opérée par FreshMile, vous allez pouvoir voir toutes les informations qui sont associées. Donc, on va basculer avec Raphaël sur le... Hop, sur le site de FreshMile en direct, vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, on va retrouver la carte. Donc, c'est la carte de France. Donc, FreshMile, c'est un opérateur français. Donc, la plupart des banques qu'on aura sont françaises. Mais ils nous accordent interopérabilité avec des acteurs européens. Donc, ils ont plus de 110 000 points de charge en accès via leur application. Donc, vous avez accès en ayant chez FreshMile un réseau très, 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 très large. Donc, on est en train d'essayer d'afficher cette carte. Donc, je ne sais pas si c'est en train d'arriver.
on va pouvoir retrouver en fait sur cette carte-là toutes les informations que sont remontées par FreshMile quand une borne est connectée à leur service. Okay. Sinon, juste pour vous, je vais vous le faire à l'oral, ça va être plus simple. Donc là, c'est une image de ce que vous pouvez voir via l'application FreshMile. Donc vous voyez autour de Paris les bornes qui sont en gestion ou compatibles avec FreshMile. Donc là, il y a un peu plus de 700 bornes rien qu'en dans le centre de Paris. Quand on clique ensuite, on peut zoomer. Donc on verra vraiment de manière très très précise où sont les points de charge. Et quand on clique sur un point de charge, on va pouvoir savoir si c'est gratuit ou payant, si le point de charge est en service ou hors service, s'il est occupé ou pas occupé. Et s'il est payant, on pourra voir les différents tarifs qui sont associés. Certains sont, par exemple, il sera marqué gratuit 30 minutes, ensuite ce sera 30 centimes du kilowatt ou 1 euro pour une demi-heure. Enfin voilà, c'est assez divers et c'est le choix du propriétaire de la borne qui fixe le tarif. Donc il y a autant de tarifs, entre guillemets, hein, que de propriétaires de borne, même si aujourd'hui il y a quand même une certaine linéarité et homogénéité, dans les tarifs que proposent les propriétaires des bornes pour la recharge. Et vous pouvez aussi retrouver le type de prise et la puissance, bien sûr, des bornes que propose FreshMile sur l'application. Voilà, c'est un premier point, une première découverte pour certains, ce que c'est qu'un opérateur de charge. Ça permet de faire beaucoup de choses, de répondre à beaucoup d'interrogations et de questions des propriétaires. Maintenant, on va faire un petit focus sur la formation. Parce que je pense que vous savez tous que la formation IRVE est obligatoire depuis maintenant plusieurs années pour installer des points de charge et qu'il y a différents niveaux à avoir aujourd'hui. On propose du coup le niveau 1. Le niveau 1, c'est un niveau qui est assez restrictif, entre guillemets, hein, vu qu'il propose sur des bornes, on peut installer avec le niveau P1 seulement des bornes non communicantes et limité à 22 kW. Non communicantes et une seule borne par chantier. Donc si vous avez le niveau P1, vous êtes limité à l'installation d'une seule borne par chantier et de bornes non communicantes. Donc non communicantes, qui voudra dire que vous n'aurez pas de service FreshMile dessus qui seront compatibles. Donc c'est important de le savoir. Donc le niveau P1 est assez restrictif suivant votre activité. Par contre, le niveau P12, qu'on retrouve juste après, hein, il est Alors, Raphaël, Thibault n'est plus en ligne. On a récupéré l'image. Alors Thibaut, je pense qu'on t'a perdu, je te propose. Ouais. Apparemment, on a eu encore une petite coupure, donc excusez-nous pour la chaîne occasionnée. Donc je vais reprendre peut-être la slide sur les formations. J'ai l'impression que c'est là que je vous ai perdu. Donc un petit récap rapide sur les formations. Niveau 1 sur un jour, qui est assez limitant, puisqu'il nous impose d'installer au maximum une seule borne par chantier et des bornes non communicantes, donc non compatibles FreshMile. Non compatible service de charge. Ensuite, le niveau 12, qui est sur 3 jours, qui reprend le niveau 1 et qui a en plus 2 jours. Ce niveau permet d'installer plusieurs bornes par chantier, bornes AC jusqu'à 22 kg, et des bornes bien sûr communicantes, donc compatibles FreshMile. Donc, il faut savoir que chez Rexel, on propose aujourd'hui en agence 3 sessions par semaine de ce niveau 1 et 2. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire via le portail de formation Rexel sur la page rexel.fr. Et enfin, le niveau 3, donc P123, qui est sur 5 jours, qui est le must des formations IRVE pour ceux qui veulent faire à la fois de l'AC et du DC, donc de la recharge continue jusqu'à très haute puissance. Donc voilà les différentes formations qui sont obligatoires pour l'installation de bornes de recharge, que ce soit sur le public ou sur le privé.
Et pour finir, il y a un dernier slide qui va résumer l'écosystème Rexel qui est à votre disposition pour poser vos questions, par exemple via l'adresse ve@rexel.fr, pour avoir plus d'informations via la page Bande Rexel, via une plaquette IRVE qui résume à la fois le plan d'offre, les services qu'on propose, advenir, le financement, un guide IRVE Rexel, une quarantaine de pages. Vous aurez plein d'informations à la fois sur le marché des véhicules électriques, sur le marché de la recharge, sur les batteries, hein, sur les différents cas d'usage. Donc, c'est un guide qui est intéressant. N'hésitez pas à le télécharger sur excel.fr également. On a un portail de formation. Vous pouvez vous inscrire directement sur une formation proche de chez vous, formation IRVE ou autre. On a un configurateur pour vous aider à configurer, chiffrer une installation IRVE, mais aussi un configurateur de service pour vous aider à configurer le niveau de service FreshMile dont vous pouvez avoir besoin sur une installation IRVE. Et une page FreshMile pour découvrir l'opérateur de charge. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Quels sont les différents services disponibles chez Rexel? Donc voilà, un petit récapitulatif de tout ce que vous pouvez trouver comme information autour de ce sujet chez Rexel. Merci Thibault. On a des questions de ce fait qui nous parviennent et je te propose déjà de prendre la première question qui revient sur la partie formation prise en charge par qui aujourd'hui ces formations? Alors effectivement, ces formations que vous pouvez faire via Rexel sont prises en charge via les OPCO, donc opérateurs de compétences, organismes financeurs de formation. Donc il y en a différents noms, je pense, qu'ils peuvent vous parler, comme Constructis, comme l'AGFIS, comme FAFSEA. Enfin, tout OPCO est compatible avec Rexel sur ces formations. Donc elles sont prises en charge selon un certain pourcentage, 60%, 100%, ça va dépendre de votre OPCO et du lien que vous avez avec lui. Eh ben, merci Thibault. Autre question qui m'est parvenue juste avant le webinaire. Globalement, sur les, tu parlais de FreshMile, tu parlais de la possibilité à n'importe qui d'utiliser une borne qu'un opérateur, un utilisateur a mis à disposition. Mais globalement, qui fixe le coût de revente de cette énergie aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ce coût de revente de l'énergie est fixé par le propriétaire des bornes. C'est quelque chose qui est vraiment à la discrétion du propriétaire des bornes, qui voit avec FreshMile et qui est conseillé par FreshMile pour mettre en place le tarif le plus adéquat par rapport à son cas d'usage. Par exemple, un McDonald's va pouvoir dire « moi, je veux que les gens ne restent pas longtemps sur le parking ». Donc, il y aura peut-être 15 minutes gratuites et après un tarif assez élevé pour éviter que la voiture reste plusieurs heures sur le parking. Donc, voilà, c'est un exemple, mais il y a vraiment une multitude de tarifications possibles au kilowattheure, à la minute ou les deux, en fonction de l'usage et en fonction de la typologie de votre parking. Alors, autre question et pour qui complète un peu cette première qui nous était parvenue, mais globalement, on a compréhension sur qui fixe le coût, ça c'est clair, mais c'est quoi les différents moyens de paiement aujourd'hui par rapport à cette solution? Alors, il y a différents moyens de paiement en fonction d'opérateurs et des bornes. La majorité, vous arrivez avec FreshMile en tout cas, vous arrivez sur une borne. Soit vous avez le pass FreshMile que vous avez peut-être préchargé, 20€, 30€, 40€. Donc vous passez le badge et vous serez débité du montant que vous avez utilisé en énergie. Autre solution, vous pouvez payer directement par carte bleue. Donc en flashant le QR code de la borne avec votre téléphone portable, vous arriverez sur une page pour entrer vos informations bancaires et vous aurez juste à payer comme sur n'importe quel site de e-commerce avec votre carte bleue. C'est clair. Alors écoute, je regarde là pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions nous parvenir. On arrive là au bout de l'heure de ce webinaire. Je vais déjà remercier Clément de sa présence, donc groupe ABB. Clément, merci beaucoup. Thibault, merci pareil sur la partie gestion, optimisation d'une borne. Quel service est proposé aujourd'hui? Quelles sont les possibilités? Ça, c'était très clair. Par rapport à la question, le webinaire que vous venez de voir sera disponible en replay pour vous tous d'ici quelques instants. Une fois qu'on se sera tous salués, je vais remercier l'ensemble des participants et je vais vous proposer surtout de revenir et la possibilité pour vous de continuer à poser vos questions. N'hésitez pas sur la partie chat qui sera toujours accessible pour vous. Et on va vous envoyer des éléments qui vont vous permettre de revenir vers nous. Donc, l'ensemble des acteurs et des collaborateurs Rexel vont être à votre disposition, surtout pour vous accompagner sur la suite. Donc, moi déjà, vous remercier, vous dire à très vite pour le prochain webinaire Rexel. Vous serez conviés. On reviendra sûrement et je demanderai peut-être à Clément et à Thibault de revenir sur une autre partie des sujets autour de l'évolution de la partie mobilité électrique. Bonne journée à tous. À très vite, Thibaut, Clément, je vous dis à très vite pour la prochaine. Au revoir tout le monde. Oui, au revoir. Au revoir.